Cette affaire-là. Si personne ne descend, t'as pas été perdu mon vaisseau. Un réacteur, j'ai pas de réacteur, c'est pour ça que je suis pas capable de le voler. Ok, fait qu'il faut trouver Léane qui doit se pratiquer dans la cave, je sais pas trop. Puis de leur côté, eux autres vendent du stock aussi. On va voir les Dalmatiens, ils ont pas mal plus de stock. Là. Chaque fois que je mets une carte postale, il se passe de quoi? Méga passion. On va le prendre volontairement. Ça fait penser, faut tant que j'aille quelque chose sur moi. Quand j'ai soin, tant que j'ai de la mana, je vais être correct. Ils sont venus. Ça va, PC Max. Sur 6. C'est quoi? Permet de... Ça me coûte 2 MP. Ça m'intéresse pas tant que ça. Rapprocheur. Fonce sur un ennemi au loin pour l'attaquer. Je peux prendre contre. Je peux prendre ça.
3 Pera jaunes maintenant. Sans encore valoir utiliser la magie, ils se tiennent en distance en zigzagant avant de charger leur cible brusquement ou de lancer des éclairs. Ils absorbent les sorts de foudre. Faire soin, là. Je pense qu'il est capable de faire soin. Là. Il devient intéressant. Là. Jesus fucking Christ. C'était rough, ça. Je veux juste voir les Dalmatiens un petit peu à quoi ça ressemble. Encore une fois. Requiem vert. Sans cœur volant de ses magies, ils n'attaquent pas, mais lancent des sorts de guérison sur les autres sans cœur. Ils sont assez lents, mais se tiennent à distance, en hauteur. Ils absorbent des sorts. Oh, plein d'autres pitous. Oh, tu me donnes un présent? Non, mais gentil. Le Pongo et Pizza Block Soin X. Il y en a partout. Attends, ça doit être ça. Ok, c'est là, faut que j'aille. Je vais-tu faire ça tout de suite? Ouais, je vais faire ça tout de suite. Salut tout le monde!
cet œil si mystérieux. Alors, tu vas trouver la serrure. Ouais, la Keyblade l'a verrouillé automatiquement. Bien. Chaque monde possède une serrure. Et chaque serrure mène au cœur de ce monde. Il doit également y en avoir une dans cette ville. Comment ça? C'était dans le rapport d'Ansem. Et Sankar entre par la serrure et modifie le centre du monde. Qu'arrive-t-il au monde? Il finit par disparaître. Quoi? C'est pour ça que la clé est si importante. Tu dois verrouiller les serrures. Tu es le seul à pouvoir le faire. Vraiment? Tu comprendras mieux en m'explorant d'autres mondes. Pigé. On doit trouver tes amis et le roi. Oui, tu as raison. D'accord. Je pense que la serrure doit être ça. Ça, c'est un menu, ça? Chambre du mage. Très inquiète pour Sandrion. Sandrion, est-ce dans le jeu? J'ai que dalle de quoi faire. Soldat volant. Sans cœur, ailé, ils volent au-dessus de leur cible, guettant un moment d'attention pour attaquer. Leur rapidité et leur fait hésitance en font des adversaires plutôt difficiles à vaincre. Moi, j'ai pas eu tant de misère que ça. Plus.
cette chambre-là, je sais vraiment pas ce qu'il y avait dans ça. Il y a absolument rien. C'est très bizarre. Il nous a parlé de, des serrures, puis c'est tout. Je sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas. Fire! En allumant ça, il se passe quelque chose. Que le feu va rééteindre tout le temps là.
Je pense que quand j'aurai le vert, je vais pouvoir le baisser. Genre. Quelque chose qui m'échappe. Que j'aille dans la... Je sais pas, là. On va leur parler. J'attends plus le serveur. Hé Léon, ce bloc de mie est différent des autres, sais-tu à quoi il sert? Il fallait juste que j'y reparle. Demande à Syl, il devrait savoir. Attends, ça reprend ça avec toi. Orbe de la Terre? Cette pierre enferme un pouvoir mystérieux. Je la gardais comme porte-bonheur, je te la donne. Comment s'en sert-on? Étrange pierre précieuse enfermant un pouvoir occulte. On sait comment que ça marche. Il fallait voir Syl. C'est ce que je pensais, Syl. Peut-être que lui sait que voir de l'orbe de la Terre. Non? Elle, elle sait. C'est ça que le côté négatif, là, c'est vraiment comme... On te donne ça, mais tu sais, tu vois qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec. Ah!
On va la voir. On a quasiment levelé. On va aller voir Sid. C'est quoi ça? Fais voir. Tiens, mais c'est un bloc gummy. Ouais. À quoi ça sert-il? Vous plaisantez quoi? Vous plaidez un vaisseau gummy, vous n'avez jamais vu un navire gummy, bande d'inconscients. L'espace, c'est pas pour les amateurs. Il y a plein de choses qu'on ignore et alors, on doit utiliser le vaisseau gummy pour rejoindre d'autres mondes. On n'a pas le choix. Oh là, du calme. Je ne savais pas, sans rancune, d'accord? Bon, dans ce cas, je peux vous donner un coup de main. Merci. En fait, grâce au navire gummy, on peut aller dans les nouveaux endroits. En voulez un sur votre vaisseau? Vous l'installer. Mais je dois d'abord livrer quelque chose. Quoi donc? Un livre. Il est très ancien. Quand on me l'a apporté, il tombait presque en morceaux. En trop mauvais état pour être parfaitement restauré. Mais au final, j'ai fait du beau travail en le reliant. Enfin, ça vous dérangerait de le livrer pour moi? C'est pour le vieux manoir après le troisième quartier, chercher le symbole de feu. C'était quoi ça? Tiens, la cloche de l'église sonne. Allez voir ce qui se passe, mais apportez d'abord mon livre, hein? Quand vous avez fini, passez à la maison du troisième quartier, j'y serai. Maison du troisième quartier. Qu'est-ce qui se passe? L'église à Sean. Come on!
boost tech. Augmente les points de tech obtenus en parant les attaques ennemies équipées-en plusieurs. C'est quoi un boost tech? Pas trop sûr de comprendre, mais bon. Il y a trois trucs à apaiser, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? J'avais jamais été sur le top, je pense, à date. Pas tombé. Je suis pas là, je voulais aller pantoute. Moi je sors de là, fuck that shit. Fuck. Cartes postales. J'ai deux cartes postales que je peux livrer. Je comprends pas parfaitement qu'est-ce que je fais avec ça. Ça. Un autre coup. Ah.
Oh, je pense que j'ai trouvé la serrure. Il me restait à porter le livre. Veux-tu avoir un boss, quelque chose devant? Je le savais. Encore toi? Jesus, je pense que je l'ai tué. Pas sûr. Oh shit, non. Qu'est-ce qui servait en arrière? What the fudge? C'est mal, par Essence du vent. J'ai pris rafale. Nice. Gagner demi-navigement. Inversé. Sans corps qui gardait la serrure de traverse, version alternative de l'armure gardienne que Sora, Donald et Dingo ont combattu quand ils se sont rencontrés pour la première fois.
Bien que cette version n'était qu'une recombinaison des membres de la précédente, elle était beaucoup plus forte. Comme plus bestial, ça. Bon, ben là, on va livrer le livre. Vous avez demandé de me l'apporter, merci. Vous voulez savoir de quelle sorte de livre il s'agit? Moi-même, je l'ignore. Enfin, il n'est pas à moi. Un bonjour, je l'ai trouvé dans mon sac comme ça. C'est un livre très étrange. J'ai demandé à Sid de le restaurer. Bien, je vais le placer ici pour le moment. Ce livre enferme un grand secret. Les pages manquantes le dévoileront. Je laisserai le livre ici, consulte-le quand tu voudras. Mes remerciements à Sid pour l'avoir restauré. Au camp à ta pierre, tu devras te renseigner auprès de la bonne fée. Savez-vous qu'est-ce que c'est? Oh, le pauvre petit, il a été transformé en orbe de vocation. En orbe de vocation? Cette petite créature vit dans un monde qui a été détruit par les ténèbres. Tu sais, tous les êtres disparaissent avec leur monde. Mais celui-ci avait un cœur très puissant, et au lieu de disparaître, il s'est transformé en orbe. Peut-être peut-il être sauvé? Oui, mais seulement son esprit. Maintenant, observe. Abracadabri, cadabra. Simba. Vous pouvez lancer des invocations si vous êtes à 3 pendant les combats. Chaque invocation ne peut être utilisée qu'une fois par combat. Si un des compagnons est KO, la commande d'invocation n'est plus disponible. Les personnes invoquées disparaissent lorsque le jauge de MP tombe à 0. Dès que tu l'invoqueras, il viendra à ton aide. Si tu trouves d'autres orbes, rapporte-les-moi. Les esprits qui l'abritent retrouveront leur corps quand leur monde renaîtra. Aide-moi à les sauver, sœur. Promis, je les aiderai. J'ai Simba, le roi lion. Il règne sur les autres animaux de la terre des lions. Son royaume dans la savane. Appuie sur la touche triangle jusqu'à ce que la commande concentrée se change en rugissement. Relâchez-la, maintenez... Maintenir appuyé plus longtemps accroît d'autant la puissance. C'est Simba. Fait que je peux invoquer Simba pour qu'il vienne m'aider. C'est cool. Le livre, il l'a mis. C'est une table de chevet, je crois. Vous devriez aller voir ça avant de repartir. C'est quoi ça, ce livre-là? Ok. C'est bizarre en tabarnak. Prairie, regardez de plus près, bonne idée. Ok. Oh, Winnie the Pooh! Tu me niaises-tu, il y a Winnie l'ourson. Sink. Ok. Hi there, what's wrong? Nothing. I'm just thinking. Oh. I was thinking of how to say goodbye to Pooh.
poo? Yes. Wait a second. Your poo? Yes, I'm Winnie the Pooh. Pooh for short. Who are you? I'm Sora. Oh, hello, Sora. Have you come to say goodbye to Pooh, too? Well, no. Why would I do that? We've only just met. Because everyone's gone away. What do you mean? Well, we all left here in the Hundred Acre Wood. And we'd take walks together. Or play Pooh Sticks. And every day, I'd eat some honey. Just one small smackerel would taste very good right now. But now, everyone is gone. All my friends, and my favorite honey tree, too. Everyone must have gone away while I was napping, I think. So, who knows? Maybe I shall end up going away somewhere as well. But I wonder, how do I say goodbye to myself? Think, think, think. Oh, my tumbly is getting rather rumbly. Forêt des rêves bleus. Ok, je vois le concept. Il va falloir que je... probablement débloque plusieurs... Oh, attends, il y a un coffre, ça. Ça va être des pages, faut que tu trouves probablement, je sais pas trop, puis ça va débloquer des maps. Ce qui est comme plein de sections blancs. Il y a une pancarte au-dessus de la porte, je tiens un coup d'œil, bonne idée, on va le voir. Mr. Sanders. C'est la maison de Winnie. Il est là. Hey, salut! Ils sont pas tous partis. Sommes-nous déjà vus? Bienvenue dans la forêt des rêves bleus. C'est des hiboux. If only the honey tree would visit, then I could eat my fill. Il compte pas le hibou comme un personnage? Petit ourson habitant la forêt des rêves bleus, sa nourriture préférée le miel. Cet ourson, pas très futé, plutôt distrait. Parfois, il oublie même ce dont il essaie de se souvenir. Winnie l'ourson et l'arbre de miel. Laisse-moi deviner, tu voudrais savoir ce qui se passe ensuite. Malheureusement, il manque certaines pages, alors je ne peux pas te le dire. Ces pages sont éparpillées dans différents mondes. Les retrouverais-tu pour nous?
que là, il t'appelle. Maître Hibou. Le plus sage des habitants de la forêt des rêves bleus. Une question est sans réponse. On la pose à Maître Hibou. Bien qu'il se trompe parfois, Maître Hibou aime discourir, mais quelquefois, son public s'endort. OK. C'est pas mal ça. Je trouve des pages. Faut aller voir ici, let's go. Je pense que c'est la maison abandonnée. Ça peut être très bon. There you are. What's going on? Riku. Hey, cut it out. I'm not dreaming this time. Right? I hope not. It took forever to find you. Riku! Wait a second, where's Kairi? Isn't she with you? Well, don't worry. I'm sure she made it off the island too. We're finally free. Hey, she might even be looking for us now. We'll all be together again soon. Don't worry. Just leave everything to me. I know this... Leave it to who? Sora, what did you... I've been looking for you, and Kairi too, with their help. Who are they? We visited so many places and worlds, looking for you. Really? Well, what do you know? I never would have guessed. Oh, and guess what? Sora's the Keyblade Master. Who just saw that? What's that mean? So, this is called a Keyblade? Huh? Hey, give it back! Catch. Whoa. Okay, so you're coming with us, right? We've got this awesome rocket. Wait till you see it. No, he can't come. What? Forget it. Oh, come on. He's my friend. I don't care. Oh, he's gone. Riku? Genre Sasuke de Naruto, il est nice coche. Going. Oh well. At least he's okay. And who knows? Maybe we'll run into Kairi soon, too. Maisonette. Merci Sarah. Tu es le seul qui peut s'arrêter sans cœur. Montre-nous quoi faire, maître de la Keyblade. J'ai tant envie d'avoir vu une Sarah. La prochaine fois, ça sera mon tour. Vous connaissez Maléfique? Il paraît qu'elle est en ville. Qui est-ce? C'est une sorcière. Elle a conduit les sans cœurs à cette ville. Ne la sous-estime pas. Elle manipule les sans cœurs depuis longtemps.
à cause d'elle, on a perdu notre monde. Un jour, une armée de 100 cœurs a envahi mon monde. C'était il y a 9 ans. Je m'en suis sorti et je suis venu ici avec eux. Quelle histoire! Notre souverain était un sage nommé Ansem. Il avait concentré sa vie à utiliser les 100 cœurs. Son rapport devait nous dire comment les éliminer. Où est ce rapport? On l'ignore. Il a été éparpillé quand notre monde a été envahi. Je suis sûr que Maléfique a presque toutes les pages. You see, it's just as I told you. While you toiled away trying to find your dear friend, he quite simply replaced you with some new companions. Evidently, now he values them far more than he does you. You're better off without that wretched boy. Now think no more of him and come with me. I'll help you find what you're searching for. Alors tu as remis le livre, le Navigami est installé et prêt à démarrer. Si tu en trouves un autre, apporte-le-moi. J'ai ajouté un bloc téléportation aussi. Oh merci. Maintenant, vous pouvez facilement retourner dans les mondes déjà visités. Je vais me remettre à mon travail, un vrai travail. C'est quoi mon vrai travail, tu verras bien. Retourne-moi dans le premier quartier. Quel premier quartier nous allons? Amiva a été détruite. Ils se sont retrouvés, mais Riku est reparti aussitôt, vexé que Sora se soit trouvé de nouveaux compagnons. Il semble prêt à tout pour retrouver Kairi, même à s'allier avec Maléfique. Malade. Ansem. Chercheur qui étudiait les mystères du monde et des sans-cœurs. Il prenait des notes au fil de ses recherches qu'il compilait dans un ouvrage qu'il appelait le rapport d'Ansem. Mais ses pages se sont toutes dispersées quand elle a disparu. Maléfique. Sorcière au pouvoir redoutable, elle contrôle les sans-cœurs et a détruit de nombreux mondes. Nul ne sait quelles sont ses véritables intentions. La belle au bois dormant. Hey, c'est pas évident, une robe de même. Petit enfer, j'en ai tout. On retourne au premier quartier. C'est-tu invocation? Je veux voir ça.